Traite en fait d'un sujet assez large autour de la guerre et des conflits, avec la place de l'enfant et cette idée un petit peu à travers les bouquets de la paix qui pourrait refleurir, cette idée d'un espoir plus ou moins proche. Black Dahlia m'avait fait écouter les projets qu'il avait pour voir un petit peu si j'avais pour un avis, mais aussi pour voir si j'avais un petit peu des idées à proposer de tout ordre. Lui, il avait aussi des orientations plus particulières. Il m'a proposé de poser une voix sur ce titre, Prix de la paix. Et voilà, ça s'est fait très simplement, en quelques prises. On a gardé le résultat. Black Dahlia, il avait déjà un petit peu une idée de ce qui s'en aurait et de là où il voulait que je pose mes voix. Il s'est trouvé que ça correspondait aussi à ce que je sentais, donc ça fonctionnait. Moi, je voyais aussi les mêmes titres, on était d'accord. Et je trouvais que c'était très cohérent avec ce que je pouvais faire, ce que je savais faire par rapport à la couleur de l'album. Donc ça s'est fait très simplement, très naturellement. On n'a pas eu besoin de faire venir un directeur artistique. On l'a fait entre nous, tranquille, entre une orangeade et puis du champagne, bien sûr, qui pouvait affloper. Submergé par le champagne. Dahlia, fleur fanée du nouveau millénaire, qui sait si fleuriront les bouquets de la paix. Black Dahlia, fleur fanée du nouveau millénaire, qui sait si fleuriront les bouquets de la paix.